On est sur la commune de Bernay, dans un petit village qui s'appelle Seznov, dans le canton de Genève, sur la rive gauche. Jacques et Claude Boquettenet de la cave de Seznov. Ça, c'est nos vignes jusque-là. En 4 ou 5 parcelles, on a 6 hectares et demi. Et vraiment, les parcelles sont les unes à côté des autres, toutes à 2 minutes de la cave. Donc toi, tu fais plutôt tout ce qui est sur l'enjambeur. Hein. Tout ce qui est mécanique, et moi je m'occupe de la vinification jusqu'à la filtration, on va dire. Ouais. Puis après, c'est là qu'il reprend avec ses mécaniques, parce qu'il paraît que je dérègle toutes les machines. J'ai un or maléfique. Alors là, on a commencé à semer de l'herbe. Au début, c'était juste dans les passages d'enjambeur. Pour éviter le ravinement, c'était vraiment creusé. Alors c'était un gros conflit de génération. Parce que pour la génération de mon père, les désherbements, c'était vraiment un grand progrès. Et donc là, on revenait en arrière et ils étaient horrifiés par l'aspect des vignes qui avaient de l'herbe, mais c'était pas beau et c'était honteux. C'est vraiment là, on a un gros conflit là. Et puis pour finir, ils ont vu que c'était bien. Et donc mon père a aussi commencé à enherber les siennes. Et puis maintenant, ils sont habitués. Vous avez vu une différence pour la vigne de vigueur? Non. Mm-hmm. Ça va. Le sol est profond, donc les racines vont profond. Et même quand c'est sec, l'herbe pousse moins vite, mais la vigne, elle n'a pas l'air de trop souffrir. Qu'on n'a pas remarqué de problème dû à l'enherbement. Alors ça, c'est une jeune vigne qu'on a plantée l'année passée. Alors c'est clair que par rapport aux vignes qu'on plantait avant avec des désherbants, on voyait bien les cèpes et tout. Là, les cèpes sont un peu perdus au milieu de l'herbe. On a voulu la laisser s'enherber naturellement, mais en fait, c'est pas au point, quoi. Parce qu'il y a des grosses touffes, il y a plein de grosses mauvaises herbes qui poussent après. Mais voilà, ça j'ai tout arraché à la main l'année passée, c'était un sacré boulot quoi. Ouais. On va pas la ressemer ce printemps parce que si on la sème maintenant, on peut plus passer dedans puis ça risque de raviner. Donc on va attendre le mois de septembre pour tout retourner et puis pour semer de l'herbe qui soit un peu mieux disposée. Et puis par rapport à l'herbicide, quelle est la difficulté? Du moment qu'on le place assez tôt, il n'y a pas vraiment de problème. L'herbicide, c'est la solution de facilité, presque. Mais on voit que les herbicides, on en a de moins en moins. Ils suppriment une famille chaque année, bientôt. Donc, il faudra sûrement trouver une autre solution. Donc, il fallait trouver une machine qui permette de passer l'intercept dans de la basse. Hein. On est à peu près à 28 cm maximum de l'axe de la ligne. Ça, c'est une vigne qui est déjà faite depuis 3 ans, presque. Donc, c'est aussi plus facile, le terrain commence à être un peu plus meuble. C'est un peu plus facile que les premières années où c'était bien sec puis que la machine ne faisait pas tout à fait le même travail. Quoi. Ouais. Et surtout, ce qui est important, c'est le disque derrière qui empêche les cailloux de le projeter dans la ligne. Quoi. Parce qu'au début, on avait essayé des machines qui n'avaient rien, puis on met tous les cailloux au milieu. Quoi. Et après, on fait de la casse avec la tondeuse. Puis quelles sont les conditions pour que ça marche bien? Alors, c'est la météo, donc pas trop sec pour pouvoir faire le travail comme il faut, et puis il faut qu'ils annoncent du beau pour que ça sèche derrière. Donc il faut les conditions, faut avant et après que les conditions soient bonnes. C'est ce qui limite un peu l'emploi. Enfin, pourquoi est-ce que vous avez commencé? Le but, c'est de donner un peu de vitalité à nos sols, quoi, d'essayer de... On voit sur les sols où on désherbe depuis 20 ans, et ben, il commence à avoir de la mousse, c'est des sols qui ont l'air pas de travailler beaucoup, donc le but c'est de réactiver un peu l'activité microbienne du sol, de lui redonner un peu d'oxygène, de le travailler un peu, puis bon, d'arrêter d'employer des herbicides. Puis comment vous voyez le futur?
votre domaine? Je pense que des vins toujours plus haut de gamme. Donc le but, ce serait d'essayer d'arriver à... Être bio en culture basse, ce qui n'est pas facile. Ouais. Le but, c'est quand même d'arriver à avoir du vin à la fin. Voilà, je m'appelle Gérard Raymond, je suis vigneron caveur ici à Saillon. Saillon est un petit village médiéval au milieu du Valais, entre Martigny et Sion. L'altitude du village est à 510 mètres. Je travaille 5 hectares de vignes, tout en coteaux, avec des pentes relativement fortes, entre 20 et 50, 55% de pente, tout en production intégrée. Dans les surfaces que je travaille, c'est moitié blanc, moitié rouge. Ça, c'est des vignes que tu as plantées, toi? J'ai planté moi, oui. Mais c'est des vignes, une partie je travaillais pas, mais une partie je travaillais. Mais avant, c'était tout en pente, et puis c'était planté en gobelet, et puis face à la pente. Pourquoi est-ce que tu as commencé à enherber? Quel était le problème? Je crois que ce n'est pas vraiment un problème à la base, c'est-à-dire que c'est tout un cheminement. Une trentaine d'années en arrière, l'herbe c'était vraiment l'ennemi numéro un. Et puis petit à petit, par le cheminement, par la discussion, par des expériences sur le terrain, on s'est rendu compte qu'on pouvait en faire un allié. Ça, je trouve assez positif. Hier, je regardais encore un petit peu le nombre de plantes qu'il y a, mais c'est impressionnant. Je pense qu'on arrive à, sur mes vignes, moi je pense que j'ai 60 à 70 sortes de plantes différentes, et je trouve ça assez extraordinaire pour le futur, puis aussi pour nous, pour le plaisir. Je trouve que je ne perds pas de vue les objectifs, c'est-à-dire que l'objectif, c'est quand même d'avoir des vins de qualité. Je dirais deux objectifs, vins de qualité, puis de pouvoir en vivre. Et puis après, ça, je trouve que les petites fleurs, ça fait du bien. Mm-hmm. Voilà. Géranium, j'aime bien le géranium. Ouais, géranium, j'aime bien. Puis Sam qui prend pas mal, dessus, géranium. Ouais. Ça, c'est le liseron. Et là, le liseron, c'est vraiment plus un problème. Auparavant, moi, je me rappelle, mais certaines années, avec l'herbicide, mais on passait on passait beaucoup de temps pendant l'été pour combattre le liseron. Maintenant, c'est vraiment plus un problème. Ouais. Une des fonctions de l'herbe aussi, c'est ça. C'est-à-dire d'avoir un certain équilibre sur la vigne. C'est-à-dire que moi, j'en prends très peu d'engrais, très, très peu d'engrais. Vraiment, les personnes qui ont besoin d'engrais, mais pratiquement rien. Et l'herbe, elle a un côté... régulateur aussi, c'est-à-dire que l'idéal c'est d'avoir une, pour moi, dans l'état, si la vigne pouvait rester comme ça, pousser pas trop, et puis venir à fruits après, et puis commencer la maturité gentiment, ce serait beaucoup plus intéressant que d'avoir des grands bouts, des choses comme ça. Et par rapport au sol, ça a changé quelque chose? Je pense quand même que les sols sont moins tassants. Après une pluie, par exemple, c'est plus facile de venir avec une petite machine sur une parcelle enherbée que non. Moi je trouve qu'il n'y a pratiquement que des coins positifs à ce niveau-là. Donc là, comment est-ce que tu gères ton enherbement peut-être sur ces vignes? Alors là, ça dépend des années. C'est-à-dire que une chose qui est faite, c'est le désherbage chimique sur le rang, racinaire sur le rang le printemps, au mois de mars. Et là, une année, je n'ai pas fait, mais ça demande trop de travail. Économiquement, ce n'est pas rentable. Et ça demande trop de travail. Ça nuit quand même à la qualité du raisin parce que ça a une emprise sur le raisin. Ça demande trop de travail manuel. Et là, je trouve que c'est quand même... De faire ce petit désherbage, je trouve très positif. Je trouve beaucoup plus intéressant. Quoi. Mm-hmm. Mm-hmm. Et puis après, maintenant, je suis au premier fauchage. Mais cette année, comme c'est parti, je pense que je ne ferai qu'un fauchage. Pourquoi est-ce que tu fauches l'herbe? C'est important, juste pour que la mine commence à fleurir. Pour pas qu'il y ait une concurrence avec la fleur de la vigne, et puis pour pas qu'elle vienne trop haute. Et puis l'autre souci que j'ai, c'est par rapport à l'humidité, c'est-à-dire qu'on va quand même vers des périodes sèches, et tout ça, il ne faut pas que ça prenne trop d'humidité. Moi, je pense que le seul vraiment gros problème, c'est de gérer les herbes qui prennent trop d'ampleur, et puis de gérer l'eau. C'est toutes des vignes qui sont irrigables, donc si c'est nécessaire, déjà j'arrose. C'est-à-dire que cette année, par exemple, il y a un petit peu plus sèche, il y a des endroits où l'herbe ne pousse plus du tout. Et il y a des endroits que je considérais comme, pour moi en tout cas, comme moyennement secs. Et je pense que c'est des terrains très secs. Et l'herbe nous apporte aussi une connaissance du terrain. Là, il y a eu un herbicide racinaire au mois de mars. Et on se rend bien compte pourquoi j'ai changé d'optique. Parce que il y a pratiquement chaque mètre carré, il y a une plante qui dérange. Quoi. Et c'est pas... Alors c'est simple, hein. il faut rebrouiller encore une fois, ça veut dire deuxième passage, c'est économiquement aussi pas toujours intéressant, écologiquement pas intéressant non plus. Puis voilà, et c'est vrai qu'on se rend compte quand même qu'avec
avec tous ces herbicides, comme on en parle régulièrement les mêmes herbicides, comme il y a de moins en moins d'herbicides aussi sur le marché, on sélectionne quand même des herbes et les régions de Canas fait partie de ces herbes qui nous dérangent fortement, quoi. Maintenant, après, il faut aussi regarder la culture, c'est-à-dire que ça, c'est du gobelet, c'est planté très bas. Là, ça ne jouerait pas de laisser l'herbe. Il faut les transformer pour que ce soit possible. Donc, ce n'est pas lié à l'endroit, parce qu'il y a une parcelle juste en dessus, c'est mécanisé, mais c'est lié au système de culture. Comment est-ce que tu t'appliques l'herbicide ici? Là, c'est à la boye. À la boye à dos. Dans chaque rang. Dans chaque rang, puis tu pompes. Ouais. Non, c'est très coûteux aussi. Hein, c'est très coûteux. C'est une parcelle de petite arvine. La petite arvine est très sensible aux herbicides. Ça fait très longtemps qu'on n'emploie pas du tout d'herbicides. C'est-à-dire qu'on peut employer des foliaires, des herbicides, des défanants, mais pas du tout de racinaires. Et puis cette parcelle, j'ai absolument rien fait au niveau herbicide cette année. Alors, il semblerait que cette plante ici est en train de bien canaliser les vignes. En tout cas, cette parcelle ici, il y en a beaucoup. Ça me plaît beaucoup. Parce que l'enracinement est très peu profond. Là, c'est déjà pratiquement sec. Et puis elle se propage bien, et puis elle empêche les autres de venir quand même. Alors ça, c'est une herbe géniale, parce qu'il n'y a pas besoin de couper, il n'y a pas besoin de faucher. Ça, c'est le rêve du vigneron, pratiquement, pour moi. Ça a tendance à sécher sous l'été, des gaillets gâtrons. Et ça, c'est vraiment une plante qui est très agréable, qui colle et qui monte dans les cèpes. Et là, il faudra que je trouve une solution pour ce gaillet, mais autrement, c'est une parcelle qui est vraiment parfaite, parce qu'il n'y a pratiquement pas besoin de désherber, de fauchage, et puis c'est impeccable, quoi. Ah, là, voilà des pensées. Voilà, ces pensées. Ah ouais. Les pensées, en général, elles sont très petites le printemps, bien sûr, comme toutes les plantes. Et puis après, maintenant, une fois que la floraison est passée, elle commence à sécher gentiment. Elle sèche carrément, il n'y a plus de verre. Et puis l'année suivante, elles reprennent. Mais bon, ça, j'insiste quand même, c'est vraiment le côté spontané de la chose. C'est-à-dire que ce ne sont pas des plantes qui sont imposées à l'endroit, c'est des plantes qui viennent de la nature elle-même, quoi. Santé. Alors, je m'appelle Blaise Dubout, je suis vigneron à Épaisse sur un domaine de 5 hectares. Nous sommes ici sur la commune de Lutry, sur l'appellation Villette, où nous avons une grande partie de vignes en location ici, ce qui compose presque la moitié de notre domaine, sur une partie, l'autre partie étant en propriété. Ici, nous sommes sur une configuration avec une partie orientation plein sud dans le sens de la pente, en taille guyot, un tout petit peu de gobelet qu'on voit devant nous qui reste sur le domaine. Et puis d'une manière générale, nous sommes plutôt en banquette, comme on peut le voir sur le coteau, un petit peu plus haut, donc en travers de la pente, pour permettre encore de lutter contre l'érosion et bénéficier de cette manière-là d'une très bonne sauvegarde du terroir et limiter au maximum l'érosion. Il est vrai que la particularité du vignoble de Lavaux, c'est de bénéficier de ces fameux trois soleils. On parle du lac, hein, du soleil et des murs de vignes. Voilà. Puis quand est-ce que tu as commencé avec l'enherbement dans le désalais? Ça fait 18 ans, toutes les lignes, ouais, 18 ans. Donc on laisse pousser l'herbe sur le plat de la banquette. Parce qu'on voulait limiter l'érosion. On a de l'orpin qui lui est susceptible de bien résister à la sécheresse. Le seul problème qu'il y a, c'est qu'il glisse un peu. On le voit surtout dans la rocaille, dans les murs de vigne, dans les murs en pierre sèche. C'est là où on va le chercher, on le prend puis on le met dans le terrain. Ça, on en a, ça marche bien. C'est juste difficile à mettre en place. Quand on l'arrache de son milieu dans les murs, dans la rocaille, pour le mettre en place, eh ben, on n'arrive pas à garantir la reprise dans le terrain. Par contre, c'est génial parce qu'il n'y a rien qui pousse entre deux. Ici, avant, bon, cette vigne, elle a 4 ans. Le but, là, est d'avoir plus d'herbicides du tout. Ouais. Mais on voit qu'il y a déjà une couleur un tout petit peu plus pâle, jaunasse, sur les trois lignes. Ouais. Et qu'après, on est plus régulier un petit peu plus haut. Ouais. Hein? D'accord. Et ça, c'est dû à la pilosèle qui offre une concurrence assez importante. Alors, nous, on a voulu le mettre tôt, au mois de septembre de l'année où on a implanté la vigne. Ouais. On a planté au mois de mai. Et en septembre, on mettait 2 plants de pilosèle entre chaque pied. Là, on voit que c'est visiblement trop tôt. S'il pleut peu,
Eh bien, l'eau ne pénètre pas du tout de la même manière, elle est retenue par la piloselle. Elle ne pénètre pas dans le sol pour alimenter directement. Alors, c'était très visible au début, puis aujourd'hui, ça l'est moins, parce que la vigne a dépassé en fait la concurrence que peut proposer la piloselle sur, le, on va dire, 30 cm à peu près. Il vaudrait mieux attendre 4 ans et mettre la piloselle. L'avantage, c'est qu'on n'avait pas besoin de désherber. On n'avait pas besoin de... Parce que si tu mets la piloselle et qu'il y a déjà de l'herbe, elle a de la peine à s'implanter. Là, il n'y avait pas besoin. On s'était dit, on fait c'est un herbicide de moins encore. Il y en a zéro. Il n'y en a jamais eu. Il faut savoir que le sol ici est relativement léger. C'est même très léger. Il y a 67% de sable pour environ 10% d'argile. Donc, je crois qu'il faut qu'on soit conscient que sur un sol comme celui-là, si on vient avec des machines, des turbos, etc., avec la pente, on a quand même 35% de pente. On glisse, il y a du sable, c'est du gravier. Donc de l'herbe nous permet aussi de mieux mécaniser. C'est une épareuse, donc elle a des marteaux, elle broie l'herbe. Ça fait un excellent mulch, comme on dit, ça fait un excellent futur humus pour la vigne. Voilà. Tu peux nous raconter un peu l'évolution de cette vigne? Bon, alors ça a d'abord été un peu un souci parce qu'il y avait une utilisation massive d'herbicides résiduaires. Donc des herbicides qui sont... pas permanent, mais qui vont rester longtemps dans le sol. Ah, cette vigne, justement, qu'elle était complètement désherbée, tout d'un coup, tu as enlevé tous les herbicides. Oui. Sauf sous le rang ou bien... Non, tout. On a tout enlevé. Tout. Tout. Pendant combien de temps? 5 ans. Mais là, tu as fait quand même un herbicide sous le rang. On vient de commencer. Ok, cette année. Oui, c'est la première année. Okay. Et c'est la première année qu'on fait ça, parce qu'on a vu qu'on commençait véritablement à concurrencer la vigne. 2008, c'était encore... C'était encore tout enherbé, mais c'était vraiment limite. Ce qu'on constatait durant la végétation 2006, le vin de 2006, en 2007, nous a fait dire 2008, c'est la dernière année où on essaye, si ça ne passe pas, on désherbe en 2009. Et c'est ce qu'on a fait. On désherbe tard, on vient de le faire, et on voit, ça repousse déjà. Couverture herbeuse tout l'hiver. Moi, j'aime parler de flore à l'opposition de mauvaise herbe, parce qu'on en a besoin de l'herbe. Voilà. On peut voir certaines traces du travail du vigneron d'avant, c'est qu'il avait créé des espèces de rigoles, on voit un petit bout de tuyau ici, pour arrêter l'eau et la faire venir dans le ruisseau. Il y avait besoin parce qu'il désherbait tout. Le sol bougeait, il s'érodait, il partait dans la pente. Avec l'herbe, il n'y a plus besoin, il ne part plus, il ne bouge plus, il est stable. Là, il semblerait que la vigne se comporte mieux, mais c'est grâce à l'enherbement qu'elle va mieux. Donc voilà. Ouais. Pierre Lambert, donc je suis propriétaire du domaine des Coccinelles. On est sur le canton de Neuchâtel, à Gorgier. Donc on est sur le coteau au bord du lac de Neuchâtel, à peu près en 450 mètres. On a un climat avec une pluviométrie environ 800-900 mm par année. Et puis des sols assez légers quoi, en général. J'ai 20 hectares donc uniquement en vignes biologiques. Pourquoi ton père a mis ces vignes en banquette? C'était souvent des vignes basses, cultivées au treuil, avec souvent des sillons où il y avait beaucoup d'érosion. Il remontait la terre après à la hotte. Quoi. Ouais. Et puis il s'est dit pour empêcher ça, je vais faire des banquettes, des vignes en terrasse, et puis je vais résoudre le problème comme ça, quoi. Ça a marché. Ouais, bien sûr, ouais, c'est sûr que ça élimine complètement l'érosion. Mais en même temps, disons, il a aussi, il a commencé à planter la vigne, à utiliser le mode de culture mi-haute plutôt que culture basse. Et puis là, c'est sûr que c'est plus facile de commencer à implanter en enherbement que dans la vigne basse. Donc, avec l'enherbement, on empêche aussi, on fait diminuer l'érosion vraiment facilement, quoi. Même si on est planté face à la pente. Quoi.
Donc le domaine, il est bio depuis 1992. Ouais. Ça veut dire qu'avant cette date, il utilisait encore de l'herbicide. Peut-être. Après, il s'est aussi passionné de botanique, donc ça va pas ensemble, quoi, l'herbicide et puis être passionné de botanique, ça jouait pas. Bah, il a vu d'autres avantages, comme l'histoire, bien sûr, des auxiliaires. Sur cette parcelle, justement, j'ai mis des choux de Chine, quoi. Je suis assez content parce qu'ils occupent bien le sol. Ils occupent bien le sol en hiver. Bon, il faut faire attention à les faucher quand même assez rapidement au printemps. Parce qu'ils montent assez vite et puis ils prennent la place, quoi, disons. Au premier printemps, il n'y a pas trop de concurrence des autres herbes, quoi. Bon, elle revient après. Mais... Pourquoi est-ce que tu as mis les choux de Chine ici? Je pensais que j'avais un problème de compaction parce que c'était une vigne qui n'avait été pas plantée dans les très bonnes conditions. Et puis, elle n'a pas très bien poussé. Et puis, pour aider au décompactage, j'ai semé ce choux de Chine. Ouais. Et j'ai l'impression que ça a quand même un effet assez favorable. Voilà, plantation de la vigne, le terrain était nu. Et puis, par planton, on a fait par planton. On a planté des plantons de fraises à ce moment-là. Il s'étend avec ses stolons, donc il couvre bien le sol. Après, il a quand même une certaine ampleur. Quoi, donc, il y a quand même une concurrence, quoi, au niveau hydrique. Je pense que c'est plus concurrent que l'épervière, oui. Il y a plusieurs espèces de ces épervières. Ça, c'est une épervière des Alpes, avec ses fleurs orangées, quoi. Elle a aussi ses poils, quoi, en fait. Ouais. Ces espèces de poils. Puis elle se répartit aussi par stolon, quoi. Ouais. Ah, voilà, un tapis de pilosèle. Ça fait des composés, donc, et puis elles font... Ouais. La fleur, c'est ça, quoi. Et puis après, les graines, ici, quoi. Ouais, c'est une parcelle qui avait beaucoup de... une parcelle de pinot noir. Il y avait beaucoup de vigueur. Et puis, j'ai complètement arrêté de travailler le sol pendant quelques années. Ça lui a bien coupé la vigueur. Et puis, maintenant, j'ai repris le travail du sol parce que je voyais que la vigueur avait quand même bien baissé. Donc, je ne voulais pas quand même trop réduire la vigueur. Quoi. Je règle un peu comme ça mon travail du sol. Puis en rang sur deux, bien sûr, pour pouvoir passer avec mes machines sur l'autre rang quand le terrain est vraiment humide. Puis si je faisais tous les rangs, ça irait pas non plus, quoi. C'était... Ça fait...